Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement pour qu'on puisse débloquer l'XP et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP genre 5, 10, 15 niveaux par glitch. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP sur cette map en vous connectant tous les jours une à deux fois. Le code de la map sera en description, en commentaire épinglé et merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le... Attendez deux petites secondes parce que je ne l'ai plus sous les yeux. Voilà, c'est le 0927. 4, 6, 4, 7, 9, 1, 9, 6, 5. Donc de toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous acceptez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc, pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et me soutenir en tapant le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient de ouf la chaîne. Donc merci énormément. Et par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur Option, vous allez dans Menu, Lancer le jeu. Et là, si vous voulez gagner encore plus d'XP qu'en temps normal, vous attendez 10 minutes. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes. En plus, regardez, il y a un petit chrono. Donc vous attendez 10 minutes et quand les 10 minutes seront passées, et ben là, vous allez faire les glitches. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre, vous pouvez les faire directement, je pense. Mais c'est toujours mieux d'attendre les 10 minutes. Donc là, je vais attendre 10 minutes et je vous montre ça après. Donc à tout de suite. Ok, donc là, j'ai attendu les 10 minutes. Donc ça m'a rapporté 2600 XP. Donc là, je vais vous montrer les glitches. Alors ici, il y a le bouton code créateur. Vous allez à gauche. Là, il y a deux carrés. Donc au deuxième carré, à partir du coin juste ici, vous construisez une, deux, trois rampes, un plat, une rampe sur la droite et un, deux, trois plats. Ensuite, juste ici, en haut de la rampe, il y a un bouton interagir, vous interagissez avec. Voilà. Ensuite, vous allez vers ce bouton-là, qui est au coin, et vous interagissez avec. Donc j'étais à 55 000 XP. Ah ben ça m'a rapporté deux fois 7 000 XP. Ok, ça m'a rapporté 15 000. Là, je rappuie dessus. Je peux rappuyer dessus en illimité. Regardez, ça me fait gagner encore plus d'XP. Ah non, là j'ai gagné un peu moins. Là j'ai gagné un peu moins. Ok, donc là je pense que j'en gagne plus. Donc là ça m'a donné 45 000 plus 17 plus 15 000, ça m'a donné 60 000 XP. Donc si je rappuie sur interagir, est-ce que je peux rappuyer sur le bouton là-bas? On va aller voir. Non, j'ai pas l'impression. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'autre rampe. Donc là dans le coin, à côté du code créateur, dans le coin vous faites une, deux, trois rampes. Un plat, deux plats et trois plats sur la droite. Donc ici, le bouton, il est dans le coin ici. Donc là, je suis à 10 000 d'XP, on interagit avec, on le spam. On va voir combien d'XP je vais gagner. Ok, donc là, je crois que j'ai tout pris. Donc j'ai gagné 10 000 plus. 6 000, donc ça fait 16 000 XP. Donc ensuite il y a un autre glitch juste ici derrière le bouton code créateur. Vous montez juste là dans le coin, il y en a un, donc on interagit avec. 3 000 3 000, 6 000, donc 6 7 000 plus 3 000, ah, ça fait 10 000, 13 000, 13 000, 16 000, 16 000, et je pense que c'est tout. Ok, donc ensuite vous montez encore et là il y a deux boutons, il y en a un sur la droite et un sur la gauche, donc on va faire celui de gauche. Donc je suis à 57 000 XP, on le spam. Ok, donc je pense que voilà, j'ai gagné 12 000 XP. Donc là je suis à 44 000 XP, on va interagir avec l'autre. Ok, donc là, je pense que ça ne me donne plus. Donc là, ça m'a donné 11 000 XP. On va retester le premier glitch pour voir s'il redonne des XP.
Donc on monte, on interagit avec le petit bouton qui est juste ici, voilà. Et on va aller voir si celui-là me redonne des XP. Donc là, il me donne plus d'XP. Donc je pense que j'ai pris tous les XP de tous les boutons ici. Après, vous pouvez peut-être encore attendre un petit peu et réessayer, je ne sais pas. Alors ici, XP Shop. Là aussi, il y a des XP à prendre, hop. Donc, ici, vous avez un bouton, vous pouvez interagir. Voilà, ça vous donne des XP en illimité à chaque fois que vous interagissez. Ça vous donne 7 par 7, plus ou moins. Ici, quand vous cassez les machines, ça va vous donner genre 3000, 5000, puis 10000 XP quand vous aurez cassé les 3. Quand vous tuez le bot, ça vous donne 34 d'XP à chaque fois. Donc, vous pouvez tirer en illimité comme ça. Glitch AFK, enfin, vous mettez un autocollant ou vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Et comme ça, ça tuera le bot en illimité. Ou alors, vous venez ici, vous mettez un plat, vous l'inversez et là vous avancez sur le jump comme ça. Ensuite vous appuyez sur le bouton tactile pour avancer en illimité et normalement vous gagnez des XP. Bon là j'en gagne pas, donc il faut essayer. Regardez ma barre d'XP en haut à droite, elle ne diminue pas. Donc je pense que celui-là ne fonctionne plus, mais vous pouvez toujours essayer chez vous pour voir si ça fonctionne. Et ici vous pouvez appuyer toutes les 10 minutes sur le bouton d'XP. Donc là je suis à 33000 XP, on va voir si ça me donne beaucoup. Donc le bouton est un peu long à appuyer, mais ça vaut peut-être la peine. Je pense qu'il prend 20 secondes, hein. 20 ou 30 secondes pour l'interaction. Donc j'étais à 33000 et là ça m'a donné 4000 XP. Donc c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Donc voilà, quand vous avez terminé, soit vous faites un glitch AFK avec le bonhomme là, ou soit vous appuyez en illimité sur le bouton là. Ou soit ce que vous faites, c'est que bah, vous recommencez le glitch à chaque fois. Donc vous appuyez sur option, arrêter le jeu et vous relancez le jeu en illimité pour faire le glitch en illimité. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé. C'est une technique secrète qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec n'importe quel glitch. Donc là j'ai gagné un niveau, donc vous gagnerez un niveau sur cette map. Si vous utilisez cette technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, là vous gagnerez 5 fois plus. Donc vous gagnerez 5 niveaux au total. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoFullMec et ciao. Peace.